Bonjour à tous. On peut se lever. On va louer le Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Côté de l'autre, saluez-la, accueillez-la ce matin, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur le web, vous vous connectez sur les différents réseaux, on est ravis de passer ce temps avec vous ce matin. On va rentrer dans la présence du Seigneur. Se retrouver ce matin et passer un moment dans la présence de Dieu. On va chanter ce chant, un moment avec toi. Pour te louer, un moment.
Sois exalté, Jésus. Nous te bénissons.
Thank you.
instant dans la présence de Dieu. J'aimerais lire un texte dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 15. Voici ce qu'il dit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Trois réalités que nous trouvons aujourd'hui alors que nous avons les yeux fermés. Trois réalités que nous trouvons aujourd'hui dans ce que nous dit ce temps de Sainte-Cène. La première réalité, c'est que nous sommes passés de la mort à la vie. Avant, nous étions comme des morts vivants, vivants quant à notre chair, mais tellement morts à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous sommes passés en Jésus-Christ, de la mort à la vie. Et nous pouvons dire, peuple de Dieu, que nous sommes des vivants vivants. Et puis la deuxième réalité de ce texte, c'est que son sacrifice a effacé l'acte dont les ordonnances nous accusaient. Lorsque je pensais à ce texte, je pensais à un crayon qui écrivait sur une feuille. Et ainsi peut-être le péché dans notre vie, il s'écrit dans nos vies. Et des fois le crayon appuie l'écriture, laisse des marques. Ou alors passe plusieurs fois comme un péché qui est répété et répété encore. Mais dans ce texte, la réalité, c'est que non seulement Jésus a effacé notre péché, mais il l'a détruit par l'œuvre qui a été accomplie sur la croix. Autrement dit, si le péché devait laisser des marques, il ne les laisse que pour nous rappeler la grâce que nous avons en Jésus-Christ, celle de voir notre péché être effacé et détruit par l'œuvre de la croix. Et enfin, il a livré publiquement les autorités et les dominations. Il les a livrées en spectacle et il a triomphé par la croix. Aujourd'hui, nous sommes non seulement passés de la mort à la vie, non seulement notre péché a été effacé, détruit, mais plus que cela, parce que les autorités et les puissances ont été cloués à la croix par l'œuvre accomplie par Jésus. Nous pouvons dire que nous sommes libres du péché. Et nous avons aujourd'hui la liberté de dire non au péché. Nous n'en sommes plus prisonniers. Seigneur, merci de tout cœur pour cette réalité de la Sainte Cène, pour ce corps brisé, ce sang versé, qui nous montre que nous sommes passés de la mort à la vie, qui nous permet de réaliser que le péché a été par ton sang effacé, détruit, et qu'une vie nouvelle en toi a commencé. Merci également parce qu'aujourd'hui, alors que les puissances et les dominations ont été dépouillées, eh bien nous sommes plus que vainqueurs en toi, ayant reçu de ta part la capacité de dire non au péché et oui à ta volonté. Seigneur, que cette réalité et ce qu'elle représente devienne une réalité dans chacune de nos vies. Et que réellement nous puissions dire non au péché. Que réellement nous puissions passer de la mort à la vie. Et voir le passé ne plus avoir d'impact sur la vie qu'avec toi nous attend, tellement belle et merveilleuse. Père, que cette réalité, nous puissions la faire nôtre ce matin. Nous te le demandons, merci pour ce sacrifice, merci pour ton sang versé et merci pour ce corps qui a été brisé pour chacun d'entre nous. Que ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur, eh bien, puissent prendre la Sainte Cène alors que nous continuons à le louer. Merci pour la croix, Seigneur, merci pour le prix. Merci pour
tu regardes ce culte, je ne sais pas si tu es dans la salle ou si tu es sur le net, mais tu regardes ce culte et le Seigneur me donnait une image, je voyais comme une course de voiture. Et si le Seigneur me donne cette image pour te parler, c'est parce que tu aimes beaucoup ce genre de milieu, tu aimes beaucoup les courses de voiture et c'est comme si tu étais une de ces voitures. Et ta vie se résumait à aller plus vite que les autres. Et aujourd'hui, tu commences à faire le constat suivant, c'est que ta relation avec Dieu est de moins en moins intense et ta relation avec ton épouse est de plus en plus distante, simplement parce que tu te concentres sur ta carrière professionnelle. Et tu vas le plus vite possible pour réussir professionnellement. Tu t'es enfermé dans ton travail. Et ce matin, Dieu te parle et te dit, tu n'es pas en train de courir la bonne course. Tu n'es pas en train de te préoccuper de la chose la plus importante. Et tu ne le réalises pas, mais tu t'éloignes de moi. Tu t'éloignes de ton épouse, tu t'éloignes de ta famille. Et si tu ne veilles pas, alors tu t'éloigneras totalement. Ce matin, ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Cesse ce travail, te dit le Seigneur, et je te donnerai un emploi qui te permettra de subvenir aux besoins de ta famille, qui te permettra d'avoir le nécessaire, mais qui te permettra de me voir à l'œuvre dans ta vie quotidiennement. Aujourd'hui, tu ne t'attends pas à moi dans ton emploi parce que tu fais suffisamment bien. Mais si tu lâches cet emploi-là, que tu me fais confiance, alors tu reviendras dans la bonne course, te dit le Seigneur, et alors tu pourras me voir t'utiliser, tu pourras me voir bénir ta famille, tu pourras me voir te réunir avec ton épouse et voir ma main à l'œuvre dans toute ta vie, te dit le Seigneur. Et le Seigneur touche également une dame, vous nous suivez sur le net, vous avez un cancer des os, vous êtes dans les premières séances de chimio, et le Seigneur vous touche ce matin, miraculeusement, vous allez faire les examens, et vous allez constater une guérison totale et miraculeuse. Les médecins parleront d'un mystère, afin que vous sachiez que c'est Dieu. Prenez cette parole par la foi, et vous verrez qu'elle agira dans votre corps, vous dit le Seigneur. Vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pendant la louange, le Seigneur a soufflé dans les yeux et il a enlevé la paille de chacun afin que nous puissions enlever notre poutre. Car il nous demande de ne pas juger, il nous demande de rester à veiller sur son voisin. Son œuvre n'est pas de juger, mais son œuvre est de relever, de fortifier, d'encourager et de donner des paroles qui vivifient. Voici, le Seigneur nous demande, il a fait sa part, il a enlevé la paille de l'œil du voisin, mais il demande à ce que nous enlevons notre poutre. Le Seigneur me montrait dans une vision des fourmis qui, les unes derrière les autres, travaillaient, et travailler d'une manière coordonnée. Et le Seigneur veut parler à plusieurs. L'heure est au travail, car il fait encore jour. Je vous appelle à travailler pour mon œuvre, pour mon royaume, mais je vous appelle à travailler les uns pour les autres. Car oui, je vous appelle chacun à apporter ce que je vous ai confié pour le bien-être de votre prochain, dans l'Église et en dehors de l'Église. L'heure et de te lever. Lève-toi, je t'appelle, te dit le Seigneur. Il y a également une personne qui est sur le net, tu as des problèmes au niveau de ton rein droit. Et les examens ont conclu qu'il fallait passer par la table d'opération. Et au moment où Dieu te parle, tu sens au niveau de ton rein une chaleur. Dieu est en train de toucher ton rein. Tu ne passeras pas par l'opération. Demande des examens complémentaires et ils verront pour ma gloire que je suis intervenu au niveau de ton rein. Il y a également une personne qui a des problèmes au niveau de son dos si importants que ces problèmes te handicapent et ne te permettent de marcher que très difficilement. Mais toi aussi, tu sens la présence de Dieu.
Tu sens au niveau de tout le bas de ton dos comme une chaleur, la présence de Dieu se manifeste. Et Dieu te dit ce matin, je te guéris. Tu vas te lever, tu vas recevoir ma guérison et tu vas tout à nouveau pouvoir marcher normalement. C'est le Seigneur qui le fait parce qu'il t'aime. Seigneur, merci de tout cœur pour ta parole, pour ta grâce. Merci également de ce que nous ayons le droit de participer à l'œuvre de Dieu en te donnant finalement ce que toi tu nous as donné. Et Seigneur, ce que tu nous as donné, tu nous l'as prêté pour que nous puissions l'utiliser pour faire avancer ton œuvre. Et Seigneur, nous te prions de bénir les offrandes et de permettre que celles-ci, utilisées à bon escient, eh bien bénissent ton Église, cette Église dont tu es toi le bâtisseur. C'est pour cela, toujours et tout à nouveau, nous voulons regarder à toi pour recevoir de ta part, et en particulier ceux qui ont la gestion des finances, eh bien de recevoir de ta part la sagesse, leur permettant de se laisser conduire par toi pour que toi, dans ta grâce, au travers de l'Église, tu glorifies ton nom. Merci pour ceux qui donnent. Merci pour ceux qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas donner. Bénis les uns et les autres et manifeste ta grâce dans chacune de leurs vies. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. Avant de rechanter ce chant, je demanderai à la famille Savary Christ de monter. Merci beaucoup. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève.
Amen. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta bonté. Car comme toi, tu as été placé dans les mains du Père. Nous devons imiter, Seigneur, ton obéissance, ta grâce, afin que nous soyons dignes de remettre ce petit entre tes mains, de louer ton nom, de chanter ta gloire malgré les choses, Seigneur, négatives. Cet enfant est dans ta main et tu gardes et tu consoles et tu conduis afin qu'il grandisse dans ta parole et dans l'obéissance à ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui Seigneur notre Dieu, c'est toujours avec joie et avec cette confiance en toi que nous pouvons te remettre tous les petits, les familles, les parents, parce que nous savons que Seigneur c'est ton projet, comme on l'a lu tout à l'heure, un projet de vie, une espérance, un projet de paix et de bonheur et non de malheur. Hein. Merci Seigneur qu'aucune crainte ne puisse gagner cette famille, qu'aucune inquiétude ne puisse surmonter la foi et la confiance en Dieu. Car le Seigneur est celui qui pourvoit même sur la montagne, hein, même face au danger, s'il est celui qui a tout prévu. Et le Seigneur vous donne à chaque famille de pouvoir regarder à lui avec cette confiance, hein, qui doit se renouveler dans sa présence, hein, chaque jour. Amen. Cet enfant que tu me donnes en cet instant est dans ma main, conduit par mon Esprit Saint, Esprit de vie, de vérité. Et chère maman, sache que cet enfant grandit dans ma sainteté et tu verras combien je l'utiliserai pour porter du fruit qui te sera heureux pour ton cœur, pour ta vie, pour ton âme, car je suis celui qui accepte et qui inscrit ce que qui nous est donné. Je suis le Seigneur qui t'aime, qui conduit, qui fortifie et qui accepte cette obéissance avec la sainteté et la gloire que tu verras en toute situation. Que je suis celui qui sera avec toi. C'est pour cela, respecte ma promesse que je te donne aujourd'hui, car je t'aime. Je veux te bénir et te conduire avec ton enfant. Amen. 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 Père, merci pour ce petit Christ. Merci pour ta grâce. Merci de ce que nous pouvons le bénir aujourd'hui. Lui et toute sa famille, et nous croyons que, Seigneur, les enfants qui grandissent dans le respect de ta parole bénéficient aussi de toutes les promesses de ta parole. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Levons-nous ensemble. Bénis-les.
Amen. C'est bien, Chris. Tu as déjà l'air de savoir ce que tu veux. Mon thème ce matin sera le chemin vers l'autorité spirituelle. Et j'aimerais pour cela ouvrir la parole de Dieu avec vous dans Luc, chapitre 9, versets 1 et 2. Des textes que vous connaissez, bien sûr. Jésus ayant assemblé les douze, leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les malades, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Voici, dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dis à ton voisin, « Et rien ne pourra te nuire. » Et rien ne pourra te nuire. En introduction, succinctement et courtement, les définitions qui sont données en règle générale sur l'autorité, cette définition, bien sûr, n'est pas exhaustive, elle est juste et simplement tirée du dictionnaire Larousse. Pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Ça, c'est la définition non exhaustive, je le dis encore une fois, du dictionnaire Larousse. Dans l'écriture, eh bien, le terme autorité en grec, et vous pouvez retrouver cela dans le dictionnaire Emmaüs, est le mot exousia, qui signifie avoir le pouvoir légitime et réel d'agir, de posséder, de contrôler, d'user ou de disposer de quelque chose ou de quelqu'un. Les apôtres ont l'autorité de Jésus-Christ, ils sont des témoins, ses envoyés et les représentants de son royaume. Ils restent soumis à leur maître, au Saint-Esprit. Comme Jésus, ils guérissent les malades, chassent les démons, pardonnent les péchés. Parce que Christ leur a conféré ce pouvoir, ils participent à la nomination des diacres et des anciens. Leur enseignement doit être reçu comme la vérité. Il fait autorité, c'est-à-dire qu'il sert de norme pour la foi et la vie. Voilà ce qui concerne les apôtres. La question est... Finalement, cette autorité-là ne concerne-t-elle que les seuls apôtres? Eh bien, j'aimerais vous dire que non, puisque dans Marc 16, verset 17, l'autorité spirituelle est également accordée à tous ceux qui sont disciples de Jésus. Il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alors évidemment, l'autorité exercée dans le cadre de l'administration de l'Église, la nomination à des anciens et des diacres est réservée eh bien, aux cinq ministères desquels Paul parle dans Éphésiens. C'est eux qui sont chargé de cela. Mais l'autorité spirituelle et le chemin sur lequel j'aimerais vous entraîner aujourd'hui est finalement le lot de chacun et de chacune d'entre nous. Je voudrais pour cela tout d'abord revenir sur un constat. Que pouvons-nous constater dans la société où nous sommes? Finalement, notre société élitiste délègue en général le pouvoir, l'autorité et la puissance au meilleur. C'est ainsi que l'autorité politique ou la puissance financière, finalement, est souvent le lot des plus forts, les plus brillants intellectuellement ou les plus puissants financièrement. C'est eux qui l'obtiennent. Parfois, malheureusement, même les plus corrompus. Malheureusement. Dans notre société élitiste, le disciple peut parfois devenir plus grand que son maître. Un musicien peut très bien avoir un professeur, un maître, qu'il va au fil du temps, au fil du travail, peut-être également grâce à ses dons naturels, eh bien surpasser. Et un jour, on dira que l'élève a dépassé son maître. La même chose dans tout ce qui est sportif. On fait le même constat, c'est que finalement, le sportif peut devenir plus grand que son entraîneur à force de travail
d'acharnement, à force d'efforts, parfois également de capacités physiques, eh bien, encore une fois, l'élève peut dépasser son entraîneur. D'ailleurs, je lisais ou j'entendais dernièrement que les champions en natation passaient de 6 à 7 heures tous les jours dans le bassin pour nager afin d'améliorer leur score, de parfois leur performance d'un centième ou d'un millième. Si vous me condamnez à être dans l'eau froide tous les jours pendant 7 heures, en me disant « Sam, au bout de 3 mois, tu vas gagner un millième », je me laisse me noyer. Waouh ! En d'autres mots, que se passe-t-il ? Pour que l'athlète surpasse son maître, il doit payer un prix important pour réussir. Et partant de là, se fait automatiquement un tri. Le tri, c'est que les meilleurs et les plus forts sont ceux qui subsistent, et les autres, finalement, rejoignent le rang des spectateurs. C'est pour cela que vous avez beaucoup plus de spectateurs dans un stade que d'acteurs. La récompense, les primes, les coupes, les médailles et tout ce que vous voudrez, bah, c'est le fruit de son travail, c'est le fruit de beaucoup de sueur, c'est le fruit de beaucoup de souffrance également. Vous savez, la médaille et la coupe, je le disais l'autre jour aux étudiants de JSP, n'a de valeur que par l'effort qui a été fourni pour la gagner. Donnez-moi la médaille d'or de natation olympique, elle perd toute sa valeur si elle est chez moi. Moi, j'ai rien mérité. Donnez-moi la médaille du Tour de France. Je monte jamais sur un vélo. Jamais. C'est le médecin qui m'a déconseillé les régimes sans sel. Pas de vélo, un régime sans sel. Mais finalement, lorsqu'on n'a pas payé le prix, tout perd son sens. Toute récompense perd son sens. Remarquez, qu'en est-il du royaume de Dieu ? Et c'est une question que je me suis posée. Faut-il performer, être le meilleur pour obtenir l'autorité spirituelle ? Est-ce que ce sont finalement que les plus forts qui réussissent ? Y a-t-il également plus de spectateurs que d'acteurs ? Ou alors sommes-nous tous invités à recevoir cette autorité ? Vous savez, suivant la manière dont vous l'abordez, cela change la donne. Est-ce que nous sommes aussi et à nouveau dans un monde très élitiste qui élimine finalement les moins forts et les plus faibles pour donner accès aux plus forts à une autorité spirituelle que les autres ne peuvent que regarder de loin, applaudir de temps en temps et admirer en se disant « eh bien ça ne m'arrivera jamais ». Pour répondre à cela, et c'est mon premier point, j'aimerais voir avec vous à qui Jésus s'adresse. Finalement, à qui s'adresse-t-il ? Lorsque vous regardez ce texte, on se pose la question, s'est-il adressé à des érudits ? S'est-il adressé aux élites des écoles rabbiniques, aux intellectuels de l'époque, aux politiciens, aux rois, à ceux qui avaient de l'argent ? La réponse est non. Il s'est adressé à des pêcheurs de Galilée. En d'autres termes, il s'est adressé à des hommes à qui n'importe qui d'entre nous peut s'identifier ce matin. Dis-lui à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle. Le chemin vers l'autorité t'est accessible. Leur simplicité, leur manière de vivre, leur force, mais également leur faiblesse, nous emmènent souvent à penser à nous-mêmes. Vous savez, lorsque je lis l'apôtre Pierre et ses exploits, je me dis parfois, c'est fou ce qui me ressemble. Est-ce que vous n'êtes pas parfois comme lui à dégainer l'épée plus vite que vous réfléchissez à réfléchir après avoir coupé les oreilles ?
Dites-moi, où est-ce que je suis le seul? Hein, combien de fois on dégaine l'épée, on coupe l'oreille et après... Peut-être que c'était pas lui. Ah oui, Pierre. Ah, je me retrouve souvent lorsque lui arrive chez Jésus en disant « Maître, si tous t'abandonnent, I am the best. I will stay by you. » Est-ce que nous ne nous retrouvons pas parfois lorsqu'on lit qu'ils étaient ensemble et la question qui les préoccupait était « Qui est le plus grand parmi nous ?» Non, vous pas. C'est les internautes. Vous voyez, lorsque je lis ça, lorsque je pense à ça, je me dis, mais c'est à ces hommes-là qu'il s'est adressé. C'est à des hommes qui, oui, avaient des forces, mais avaient aussi des faiblesses. Et dans le royaume de Dieu, et c'est la bonne nouvelle, l'autorité spirituelle est accessible aux plus petits, contrairement à ce que nous voyons dans la société. Paul déclare dans 1 Corinthiens 1, 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Les choses que le monde considère comme folles. Papa Jean, quand on pense à nous, mais oui, le monde considère eh bien, ce qui est faible comme fou. Mais Paul dira que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Est-ce que cela veut dire que ceux qui sont brillants et ceux qui sont intellectuels ou ceux qui ont des grandes capacités ne sont pas eux aussi appelés? Bien sûr qu'ils sont aussi appelés. Bien sûr que la voie est ouverte à chacun, que Dieu soit béni. Elle continue. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Cependant, alors que finalement la voie est ouverte à chacun, alors que le chemin vers l'autorité spirituelle est accessible à chacun, il y a quelque chose qui change fondamentalement avec le monde, c'est que le disciple ne sera jamais plus grand que son maître. Il pourra être au mieux semblable à son maître, mais il n'excédera jamais eh bien, ce que son maître a été. Le disciple n'est pas plus que le maître, dira Jésus, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, peut-être ce matin, me direz-vous, oui, mais frère Samuel, dans Jean 14, verset 12, il est dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Sincèrement, voyez-vous, beaucoup d'œuvres plus grandes que nous pourrions faire que celles que Christ a faites. Il ne parle pas de miracles, il ne dit pas, « vous ferez des miracles plus grands. » Il parle d'œuvres plus grandes. Alors oui, aujourd'hui, nous faisons des œuvres, mais des œuvres qui sont liées aussi à l'époque dans laquelle nous vivons. Oui, ses disciples ont fait des œuvres plus grandes dans le sens qu'ils ont emmené l'Évangile là où il n'était pas encore prêché. Ils sont allés au-delà des frontières dans lesquelles Jésus est resté, et Jésus est resté délibérément. Ils sont allés plus loin, bien plus loin. Certains sont arrivés jusqu'en Inde, d'autres sont arrivés jusqu'en Europe. Il semblerait que même la Gaule a été visitée. Oui, ils sont allés plus loin, mais tout en allant plus loin, tout en pouvant en parler ce matin, eh bien, une foule ici, mais plus qu'ici, à des milliers de personnes qui sont dispersées dans le monde, ce que Jésus ne pouvait faire à l'époque. À cause du Saint-Esprit en nous aujourd'hui, nous pouvons faire des œuvres plus grandes, mais nous ne serons jamais plus grands que le Maître lui-même. Au mieux, nous pouvons lui devenir semblables, et c'est la chose que je vous souhaite, la seule. Dis à ton voisin, ce que je te souhaite, c'est que tu lui deviennes semblable. C'est la seule chose. Vous savez, messieurs, si votre épouse devient semblable à Jésus, vous y gagnez. Mesdames, si votre mari devient semblable à Jésus, vous y gagnez. Je vous le promets. Si le disciple pouvait devenir plus grand que son maître, sa vie deviendrait un naufrage et son ministère serait stérile.
parce qu'il empêcherait Jésus de le former et de le transformer sur le chemin. Voyez-vous, le chemin qui nous mène à l'autorité est un chemin de transformation. Il nous façonne, il nous transforme. Et nous ne pouvons pas désirer l'autorité sans la transformation. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui a l'autorité sans la formation. Lorsque vous confiez l'autorité à quelqu'un qui n'a pas été formé pour cela, il peut devenir un dictateur, il peut devenir dangereux, il peut devenir un destructeur. On ne confie jamais des armes à des enfants. Il faut que celui qui l'utilise ait été entraîné à cela. Il faut qu'il sache dans quel contexte il peut l'utiliser. Il faut que lui-même soit apte à l'utiliser. Il faut donc qu'il soit préparé. Et ce matin, eh bien, mes amis, désirer l'autorité sans suivre le chemin du maître, ce serait désirer les ovations et les récompenses sans avoir couru la course. Non pas que la course ne permettra qu'au meilleur d'arriver, mais ce n'est pas une course sur une piste, c'est un chemin sur lequel nous marchons. Et voyez-vous, le bon berger me dit une chose, c'est qu'il s'adapte toujours au rythme de la brebis la plus fragile et la plus lente. Nous ne sommes pas dans une course comme les athlètes dont finalement le plus fort et le plus rapide sera celui qui sera ovationné. Non, nous sommes sur un chemin. Mais il nous faut aller ce chemin et nous ne pourrons pas aspirer à l'autorité, même si cette dernière est une grâce, sans avoir marché sur ce chemin. Alors, un premier pas, c'est le chemin de la consécration dans la prière. Si le Fils de Dieu a passé de longues heures à prier pour avoir l'autorité, voyez-vous, il dit, par exemple, lorsque les disciples ne purent chasser un démon, il leur dit la chose suivante. Il leur dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Si notre maître, si celui que nous suivons, si celui qui est l'exemple, eh bien, pour avoir cette autorité-là, passer du temps dans la communion avec Dieu, à combien plus forte raison, moi, disciple de Jésus, imitant mon maître, je dois chercher sa face et sa présence. La prière n'étant pas seulement une phase dans laquelle nous demandons des choses à Dieu. La prière étant un moment dans lequel nous sommes en communion avec lui et sa communion nous transforme de gloire en gloire à son image. Frères et sœurs, nous ne prions pas pour recevoir, nous prions pour être en communion. Lorsque je parle avec mon épouse, je ne parle pas seulement pour recevoir, je ne lui parle pas toute la journée juste pour qu'elle me fasse à manger, pour qu'elle me donne ce que je veux. Non, il y a des moments où nous avons des dialogues ensemble, où nous parlons d'autres choses, où j'apprends à la connaître et elle apprend à me découvrir. Et ça, ce sont des moments extrêmement précieux. C'est des moments dont nous avons besoin. Comment puis-je connaître ma femme sans parler avec elle? Tu vois, j'avais décidé d'être gentil. Il nous faut du dialogue. Mes amis, regardez le disciple. Si le maître prenait ce temps, si le maître jeûnait, alors le disciple ne peut pas aspirer à exercer l'autorité sans avoir été transformé dans la présence du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole dans Luc 18 pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il insiste dessus. C'était l'une des principales caractéristiques de la vie de Christ, la prière et la prière persistante. Lorsque Judas l'a cherché, où l'a-t-il cherché? Il l'a cherché sur la montagne de la prière. C'est là qu'il l'a cherché. Il l'a cherché là où il savait qu'il allait régulièrement à Gethsémané. Il savait qu'à Gethsémané, il allait le trouver. Parce qu'il savait que son maître était assidu à la prière. Il savait que son maître, eh bien, était consacré à ce temps où dans la relation avec Dieu, Dieu lui parlait. Ceci afin qu'il puisse remplir ce qui était son appel, faire sa volonté. C'est pourquoi il nous dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et nous ne pourrons jamais faire sa volonté
sans que nous nous nourrissons de cette dernière. Bien-aimé, voyez-vous, lorsque je regarde les Écritures, pour Jésus, la prière était plus importante que la guérison divine, que les miracles, que les démons chassés. La preuve, c'est qu'il fuyait même parfois la foule et la multitude qui demandaient cela. Vous savez, lorsqu'il y a des guérisons, des miracles, la foule demande cela. J'ai vu en Afrique comment la foule a grandi en très peu de temps. Je me souviens, en Centrafrique, nous avions 7000 personnes le premier jour. Au bout de 3 jours, nous avions 80 000 personnes. Mais simplement parce que les gens ont vu les paralytiques se lever, les aveugles voir, ils ont vu des muets parler, etc. Et là, la foule vient, c'est ce que la foule demande, mais Jésus ne se laissait pas aller à cela. Il est dit, sa renommée dans Luc 5, 15 à 16, se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Voilà ce qu'il faisait. Il se retirait dans le désert et priait. Nous sommes plutôt attirés par le spectaculaire, le faire, le miracle, la guérison, etc. Jésus était préoccupé par sa communion avec Dieu. La prière était plus importante pour lui-même que le sommeil et le repos. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Dans Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Je dois dire que quand Dieu me fait la grâce de me lever la nuit pour prier, c'est un moment particulier. D'abord parce que la maison est plongée dans le silence. Même mon oiseau qui siffle la Marseillaise est silencieux. C'est un moment privilégié où personne ne vient me solliciter. Je peux donc, dans la solitude de la nuit, élever ma voix. Et là, eh bien, dans cette communion avec Dieu, je peux passer du temps et élever, eh bien, toute mon âme vers lui pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier et pour lui apporter tout ce qui parfois pèse sur mon cœur. Bien-aimé, la nuit. Alors je ne vous dis pas que je suis un adepte de la prière de nuit. Je ne vous dis pas que toutes les nuits, Samuel est debout en train de prier. Mais ça m'arrive quand même assez fréquemment. Et peut-être qu'à certaines périodes, ça m'arrive plus fréquemment qu'à d'autres. Et chaque fois que je peux être debout, je dis « Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. » Et quand j'ai terminé de prier souvent, après 1 heure de prière, dans la nuit, 1h30 parfois, je vais me recoucher. Vous savez qu'on dort très bien après. Qu'est-ce que ça fait du bien de retourner au lit. Il y a juste quand le réveil sonne que... Là, je dois dire, c'est violent. J'en veux à celui qui a inventé le réveil, j'en veux. C'est un personnage que j'ai du mal à pardonner. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Vous savez, je ne veux pas mettre de pression sur vous, parce qu'un jour, nous avions un orateur ici qui nous avait expliqué que toutes les nuits, il se levait pour prier pendant 3 à 4 heures. Il se levait donc à 3 heures le matin, il priait... Non, il se levait à 2 heures, disait-il, et il priait jusqu'à 5 heures, 6 heures. Et moi, je dois dire, ça m'a mis de la pression. Je me dis, comment il fait? Mais comment il fait? Moi, si je fais ça, hein, au bout de 3 jours, mais au bout de 3 jours, je ne me réveille plus. Et ça me travaillait, parce que je me disais, waouh, maintenant tu vas te lever à 2h du matin, et puis à 7h, tu vas te lever. J'avais encore les enfants, il faut les emmener à l'école, après tu vas au bureau, etc., et toute la journée. Et puis après, quand tu vas te coucher le soir, tu te couches à quelle heure pour arriver à récupérer? Et finalement, je l'ai vu un jour, à une autre occasion, et je lui dis, écoute, vraiment, ta prédication m'a bouleversé. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu gères ta journée une fois que tu as passé 3 à 4 heures à prier dans la nuit. Et là, il me dit, mais je me recouche et je me lève à 11 heures midi. Ah, ça change tout, hein? Ça, tu avais oublié de nous le dire, hein? Parce que moi, ça m'aurait évité de me ronger les sangs, de savoir que pendant que moi je travaille, tu dors. Alors évidemment, si tu confonds le jour et la nuit, c'est faisable. Ceci dit, ça n'enlève rien au fait que Jésus passait des nuits à prier.
Et les jeunes ont instauré ça, une nuit de prière de temps en temps. Et je vous félicite. Et je vous remercie pour eh bien, également ces nouvelles étapes dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Bien-aimés, non seulement Jésus connaissait la prière, mais il connaissait la parole. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Cependant, ce que je me rends compte, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes veulent l'autorité et ne connaissent pas la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que l'autorité vous vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez vient de la parole de Dieu. Je me suis posé la question, pourquoi la prière des saints était aussi pauvre dans son contenu? J'écoute parfois les prières, non pas que je les exauce. Il n'y a que celles de mes petits-enfants que je peux exaucer. Quand ils prient, Seigneur, donne-moi le nouveau vêtement de la fée Clochette. Alors j'ai compris que c'est moi le Seigneur et qu'elle, elle veut la déco de la fée Clochette. Donc ça, c'est les seuls exaucements que je peux accorder. Mais j'écoute parfois et je me dis, mais finalement, réfléchissez bien. Peut-être que je peux vous lancer ce défi. Rentrez chez vous et décidez-vous maintenant de passer une demi-heure dans la prière où, au lieu de prier pour vos besoins, vous n'allez qu'adorer Dieu, le louer, lui rendre gloire pour qui il est et pour toutes les promesses qu'il donne dans sa parole. Vous allez voir combien de temps vous tenez. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que votre source va très vite se tarir ? Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu dans sa parole. Donc si vous ne connaissez pas Dieu dans sa parole, vous ne pouvez pas non plus commencer à l'adorer pour qui il est. Vous ne pouvez pas commencer à le prier en vous appuyant sur les promesses, puisque les promesses, vous ne les avez pas. C'est pourquoi vos temps de prière, très souvent, se résument juste à de longs moments de plainte. Et quand vous arrivez pour prier, eh bien, il semblerait que vous êtes devant le mur des lamentations. Mais j'aimerais vous dire que la prière que Jésus élevait, ce n'était pas de la lamentation. Il glorifiait son Père qui est dans le ciel. Il connaissait son Père. Il était en communion avec lui. Nos prières et la source de nos prières se sont asséchées parce que la parole de Dieu n'habite plus en nous. Ne me dites pas, oui, mais pasteur, de temps en temps, j'écoute un sermon sur le net dans la semaine. Ça ne remplacera jamais ta communion avec Dieu au travers de la parole de Dieu. Jamais, jamais. Dis à ton frère, à ta sœur, lis la parole. Prends du temps pour lire la parole de Dieu. Ne la néglige pas. Permettez-moi de continuer. Voyez-vous, le chemin d'un service puissant passe par une autre phase. Et la phase que je vais décrire là est différente. Le prix d'un service puissant passe par le chemin de la persécution. Alors évidemment, ça c'est beaucoup moins populaire. Lorsque je lis Matthieu 10, verset 8 avec vous, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Quand on entend ça, waouh, on est tous là, j'en veux. On est tous enthousiastes. Qui n'est pas enthousiaste quand il entend ça? Qui ne veut pas vivre ça? Tous. Tous nous désirons vivre ça. Hormis que notre enthousiasme est souvent douché par une autre réalité. Et elle suit. Nous oublions que Matthieu 10 ne contient pas que le verset 8, mais il continue avec les versets 16 à 18. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des... » Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leur synagogue, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Et puis, versets 21-23, toujours dans ce même chapitre. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Bien-aimé, ça fait partie de l'Écriture. Ça fait partie de l'Évangile.
J'aimerais vous le rappeler. Et à cette fin-là, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Mon bien-aimé, il n'y a pas de raccourci. Contrairement à ce qu'on te laisse parfois croire, on laisse parfois croire aux croyants que finalement il y a des raccourcis au travers desquels ils peuvent obtenir l'autorité. J'ai entendu des prédications qui m'ont, je dois le dire, parfois attristé, où on laissait croire que si vous donnez beaucoup dans vos offrandes, alors l'autorité de Dieu viendra sur vous et vous le servirez avec puissance. Mais ça, c'est de la manipulation, c'est un mensonge. On n'achète pas l'autorité de Dieu. Si on donne, c'est par conviction. Vous n'achetez pas des dons, vous n'achetez pas l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est le résultat de la vie de Christ en vous par le Saint-Esprit. L'autorité spirituelle vient de votre transformation, de ma transformation. Il n'y a donc pas de raccourci. Veillez, faites attention à tous ceux qui vous proposent des raccourcis. Et souvenez-vous que le Maître, lui, ne vous propose pas de raccourcis. Il vous invite à le suivre sur son chemin. Et il vous dit, toi, viens et suis-moi. Viens et suis-moi sur ce chemin. Viens et accepte tout ce que cela implique. Viens avec moi. La délivrance de la persécution n'est pas promise aux disciples. Ça, on n'en parle pas souvent, hein. Vous savez que la délivrance des persécutions n'est pas promise aux disciples. Parfois, oui, Dieu le fait. Pierre est délivré de la prison. Parfois, non, Jacques est décapité. Ah, ça, c'est... Et c'est l'Évangile, pardonnez-moi, mais je vous prêche l'Évangile ce matin. Je ne suis pas là pour vous faire guili-guili. Imaginez Jésus, il propose à ceux qui le suivent ce programme-là, vous serez haïs de tous. Quel est aujourd'hui le politique qui voudrait nous dire « Suivez ma liste, voilà ce que je vous propose, on va se faire massacrer ». Personne. Tous ceux qui se mettent sur une liste aujourd'hui vous proposent un programme qui souvent n'existe que dans leurs rêves. Je ne dis pas qu'ils ne croient pas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères. Voilà ce qu'ils désireraient, mais entre ce qu'ils désirent et ce qu'ils peuvent faire. Jésus, lui, est vrai. C'est ce que j'aime dans la Bible. La Bible ne nous raconte pas d'histoire. Jésus est vrai, il dit la vérité. Et il emmène ceux qui s'engagent à lui à prendre conscience de cela. Malgré l'autorité qu'ils auront, non, ils ne pourront échapper à cette réalité. Sinon, s'ils avaient pu échapper à cette réalité, réfléchissez, les disciples auraient été plus grands que le maître. S'ils avaient pu y échapper, alors que le maître, lui, a connu ce chemin-là, alors qu'il dit que le disciple accompli est comme lui, ils auraient été évidemment plus grands que lui. Paul dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Qui veut vivre pieusement ? Lève voir ta main, lève-le. Il y en a qui se souviennent de la suite, alors ils disent, oh bon. Pff. Bon, vous avez tous levé la main, maintenant vous pouvez dire à votre voisin, alors tu seras persécuté. Ah oui, faire des miracles, ouvrir les yeux aux aveugles, guérir les cancéreux, tout le monde en veut, mais... Mais ce n'est pas la finalité. Permettez-moi d'attirer votre attention. La persécution est une des conséquences de la manifestation de puissance. La persécution est une des conséquences de la manifestation de puissance. Jésus ne fut pas persécuté dans son atelier à Nazareth. Tant qu'il était dans son atelier, tant qu'il était le charpentier. Et j'aimerais vous rappeler que charpentier, à l'époque, vous savez, nous, on a réduit charpentier à la charpente. Mais de l'époque de Jésus, le charpentier, c'était un constructeur de maisons. Nous, souvent, on l'a réduit à celui qui fait un toit ou une charpente. Pour une pergola ou tout ce que vous voulez. Non, non, du temps de Jésus, c'était un constructeur. Tant que Jésus était constructeur, évidemment qu'il ne dérangeait ni personne dans le monde visible, ni personne dans le monde invisible.
Mais lorsqu'il commencera à agir, lorsqu'il commencera à exercer, lorsqu'il commencera à manifester la puissance du royaume de Dieu, la persécution viendra. Regardez, Jean 11, 47, il venait de ressusciter Lazare. Qu'est-ce que vous feriez si vous voyiez une résurrection ? Vous en fichez, hein ? Vous diriez, ah, il est ressuscité, c'est bien. Moi, j'aurais préféré qu'il reste mort, hein, ça ne m'arrange pas, mais... Non, qu'est-ce que vous feriez ? Mais bon, d'abord, on s'enfuirait tous de peur. Mais après, on reviendrait voir. On dirait, waouh ! Il est ressuscité, il est vivant. Waouh ! C'est extraordinaire. Waouh ! J'assiste à quelque chose que mon intelligence ne peut pas saisir. Ah, ouais, les pharisiens ne le voyaient pas comme ça. Les principaux sacrificateurs dans Jean 11, 47 et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, qu'allons-nous faire ? C'est embêtant, il ressuscite les morts. Car cet homme fait beaucoup de miracles, ça les embêtait. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Ça, c'était encore plus embêtant parce que ça venait contrarier leur autorité. Soudain, leur champ d'autorité, ils étaient en train de le perdre parce que l'autorité de Jésus dans le peuple montait. Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu se manifestait. Résultat des courses, loin de se réjouir, ils prennent une décision. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Résultat de l'exercice de puissance, c'est qu'ils décidèrent de le faire mourir. La persécution, vous le savez, dura pour lui 3 ans et demi et se termina crucifié sur une croix. Il fut uniquement persécuté à cause de sa puissance et de son autorité. S'il n'avait rien démontré, il serait resté un des nombreux discoureurs que les Juifs ont connus. Il aurait fait partie de tous ces philosophes que les Grecs ont pu produire. On l'aurait considéré éventuellement comme un sage, mais rien de plus. Cependant, l'autorité, la manifestation de puissance démontre qui il est. Il est soudain prouvé de Dieu. Il a l'autorité de Dieu. Regardez Pierre. Pierre fut un brave homme aussi longtemps qu'il ne fut que pêcheur. Tant qu'il était pêcheur en Galilée, Pierre n'avait pas de problème. Pierre n'a jamais eu de problème tant qu'il était pêcheur. Tant qu'il a fait son petit boulot tranquille, il vivait une vie finalement paisible. Mais regardez ce qui se passe lorsqu'il lève le boiteux du temple. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Acte 3, 7. Résultat, ils mirent les pieds sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Au lieu de se réjouir, ils mirent la main sur eux et ils les mirent en prison. C'est le résultat. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas espérer exercer l'autorité sans marcher sur le chemin sur lequel notre maître a marché. Et notre maître dit que tous ceux qui exerceront l'autorité connaîtront aussi des persécutions. Il y a très souvent cet aspect-là qui manque dans la prédication. Très souvent, on ne parle que de l'autorité. Très souvent, on ne parle que de puissance. Power, power, power. Tout le monde veut de la power. Mais quand tu commences à parler des conséquences de la power, là, tout d'un coup, il y a plus de spectateurs, moins d'acteurs. Étienne, vous avez réfléchi, Étienne ? Membre tranquille de l'église de Jérusalem, tout allait bien pour lui. Mais quand est-ce que ça a bougé ? Quand il fit des prodiges et des miracles ? C'est là que ça va changer ? Tant que Étienne était un membre de l'église de Jérusalem, tranquille, tout ira bien. Il commence à faire des prodiges et des miracles. Il est dit, Étienne, plein de grâce, faisait des prodiges et de grands miracles parmi les peuples. Résultat des courses, on le lapidera, Saul de Tarse sera là, il mettra son suffrage et il mourra sous les pierres. Il ne fut pas délivré. Paul, tant qu'il était Saul, n'a jamais dû fuir à cause de sa religion, mais quand il a connu Christ, eh bien, il a connu la persécution, la prison, la lapidation, et bien d'autres choses.
Bien-aimé, c'est aussi l'évangile. Moi, je voudrais bien vous dire autre chose. Je voudrais bien vous dire que, eh bien, finalement, le chemin vers l'autorité est un chemin facile. Mais Jésus dit, large est le chemin qui mène vers la perdition, étroit celui qui mène vers lui. Vous ne rencontrerez pas beaucoup d'opposition et ne serez pas persécuté tant que vous serez appelé un chrétien normal. Mais dès que vous voudrez entrer dans cette dimension-là, parce qu'il y a un ennemi, il n'y a pas seulement les ennemis que nous voyons, il y a un ennemi. L'opposition peut parfois paraître venir des hommes, mais au-delà des hommes, Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dis à ton voisin, tu es dans une guerre spirituelle. Tu es dans une guerre spirituelle. Nous ne sommes pas juste dans le monde naturel, nous ne sommes pas juste dans le monde physique, il y a une guerre spirituelle. Et le diable rôde, cherchant qui le dévorera, il le fait. C'est pourquoi nous devons rester vigilants, c'est pour ça que nous devons rester conscients, c'est pour ça que tu as besoin de la communion avec Dieu, c'est pour ça que tu as besoin de rester sur la montagne de la prière, c'est pour ça que tu as besoin de te nourrir de la parole. Et je termine. C'est beau quand je dis je termine, certains disent amen. Ça me réconforte, merci Seigneur, amen. Alléluia. Jésus n'a rien caché quand on prie à payer pour le suivre. Il n'a rien caché. Je l'ai dit tout à l'heure, son programme, il l'a révélé avant qu'il le suive. Il n'a rien caché. Aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, vous entendez la parole de Dieu. Vous savez, à de nombreuses occasions et à de nombreuses étapes, des disciples quittèrent Christ. Jean 6, 66. Je le retiens toujours, c'est facile, hein, Jean 6, 66. Ils dirent, ces paroles sont trop dures, qui peut les entendre? Et ils le quittèrent. Mes amis, ce n'est pas une fois qu'ils ont quitté Jésus, c'est plusieurs fois. C'est à différentes étapes. Mais ce qui m'a toujours impressionné, c'est que Jésus n'a jamais couru après personne pour le rattraper. Parce que ça restera toujours une décision personnelle de le suivre, une décision personnelle de t'engager sur le chemin. Personne ne peut s'engager à ta place, personne ne peut s'engager à ma place. Dominique ne peut pas marcher à ma place sur ce chemin-là et je ne pourrai jamais marcher à sa place. Elle moissonnera ce qu'elle aura semé et je moissonnerai ce que j'aurai semé. Nous serons tous individuels devant Dieu, nous serons tous individuels devant lui. Bien-aimés, ce matin, il nous faut comprendre cela. C'est de la plus grande urgence. Alors, parce qu'il ne leur a rien caché, il les a amenés à réfléchir. Il leur a montré ce que ça coûterait de le suivre et leur a recommandé de bien calculer. Il dit dans Luc 14, 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il y a un moment, où l'engagement de le suivre coûte quelque chose. Jésus n'a pas hésité de s'offrir. Il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Sur qui? Sur Jésus. N'ayez pas le regard sur un homme. Ne regardez jamais à Samuel. Ne regardez pas à Papa Jean. Ayez le regard sur Jésus. C'est sur lui que vous devez avoir le regard. Si vous avez le regard sur Jésus, quoi qu'il nous arrive, vous resterez debout. Si vous n'avez que les regards sur nous, quoi qu'il arrive, vous allez suivre nos forces ou nos faiblesses. Nous ne prêchons pas pour que vous nous regardiez. Nous prêchons pour qu'ensemble nous regardions Jésus. Afin qu'ensemble nous puissions rester forts. Afin qu'ensemble, si l'un est faible, l'autre peut le relever. Et l'aider. Bien-aimé,
ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a, même au travers de la souffrance, eh bien une joie qui lui était réservée. Et j'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, à la fin de mon voyage, je serai couronné. Est-ce que vous connaissez ce vieux cantique ? Qui connaît ce vieux cantique ? À la fin de mon voyage, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, à vous de répondre. Quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Est-ce qu'on peut lui rendre la gloire à lui? Moi, j'aimerais vous encourager. Et j'aimerais te dire, même si tu es tombé, tu peux te relever et tu seras couronné au même titre que n'importe lequel. Parce que finalement, d'une manière ou d'une autre, nous tombons tous à un moment ou à un autre. Parfois ça se voit, parfois ça se voit pas, mais finalement, devant Dieu, on est tous tombés. Alors nous avons besoin de sa grâce. Permettez-moi de juste terminer. Si nous endurons l'épreuve, nous régnerons avec lui. Si nous persévérons, dit Paul à Timothée, il me reste 6 minutes. Vous avez vu que discrètement, je regardais de temps en temps. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais écoutez, si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est sans appel. Il ne s'agit pas de dire oui, mais Dieu est amour, oui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Combien l'ont renié pour ne pas le suivre? Il est dit que certains des synagogues le suivaient. Ils le suivaient, même des sacrificateurs le suivaient, mais par peur d'être exclus de la synagogue, ils arrêtèrent de le suivre. Parfois, par peur, on préfère renier. Bien-aimés, ne le renions jamais. Si le Fils de l'homme a dû souffrir le rejet, la persécution, la flagellation, tout ce que nous avons cité là pendant ces fêtes de Pâques, son disciple ne peut échapper à ce sort s'il veut apporter le témoignage de la délivrance. Si Christ lui-même a dû repousser toute ambition terrestre, refusant même le gouvernement qui lui était proposé, le gouvernement du monde, quand il lui fut proposé en dehors du plan de Dieu, alors le disciple doit aussi repousser toutes les offres mauvaises. Et si demain on vous offre même le gouvernement de ce pays, je ne sais pas si c'est vraiment un cadeau, mais même si on vous l'offrait, juste dans le cadre du plan humain, refusez-le. Et si demain on vous propose de vous faire roi ou de vous faire prince en dehors du plan de Dieu, refusez-le. Mieux vaut être un manant dans la volonté de Dieu qu'un prince hors de sa volonté. Mieux vaut être un disciple connu de personne dans la volonté de Dieu qu'un prédicateur connu qui est en dehors de son plan. Frères et sœurs, oh mes amis, lorsque je prêche là-dessus, ça me tient tellement à cœur parce que je voudrais vous dire que le cri du disciple doit être celui du maître. Est-ce que vous voulez entendre le cri du maître ? Voilà le cri du maître, Hébreux 10, verset 7. « Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Ça, c'est le cri du maître. À cela, nous devrions nous joindre à Paul, qui dira, « Et même si je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Ma conclusion, le disciple, pendant que mes amis musiciens se mettent en place, le disciple n'est pas plus que le maître.
pas plus. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Puis-je vous laisser avec une phrase que Jésus a dit à un jeune homme ? Pouvons-nous fermer nos yeux ? S'adressant à un jeune homme un jour qui était venu et qui finalement avait de grands biens, il lui dit une phrase que je voudrais vous laisser. Alors que vous avez entendu ce message, alors que nous désirons, toute l'équipe qui est ici, annoncer l'Évangile sans rien en cacher. Après que tu aies entendu cette parole, le chemin vers l'autorité. Alors que tu as compris que ce chemin vers l'autorité spirituelle n'est pas élitiste, chacun y est invité. C'est un chemin, ce n'est pas une piste, ce n'est pas une course, ce n'est pas le meilleur. C'est juste celui qui, conscient de tout, après avoir calculé, comme son maître l'y exhorte, après lui avoir exposé le plan de marche qui n'est pas des plus faciles, alors qu'il lui est dit, calcule maintenant, c'est comme une tour si tu devais la bâtir, calcule si tu as de quoi la terminer. C'est comme une armée, si elle doit partir à la guerre, calcule si tu as suffisamment de soldats, calcule. Une fois que tu as pris conscience, tu as décidé. Et tu as décidé de t'engager sur ce chemin. Le plus petit peut s'y engager. Parce que vois-tu, s'il ne te délivre pas de l'épreuve, je te promets une chose, il te donnera toujours la force dans l'épreuve. Si la persécution ne nous est pas forcément épargnée, mais il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est avec nous, comme il était avec Paul et Silas en prison, comme il était avec Pierre, comme il était avec Jacques avant qu'il se fasse décapiter, comme il était avec Pierre, lorsqu'il sera délivré, il sera toujours là. Conscient de tout cela ce matin, il te dit, je voudrais que cette voix résonne dans ton cœur tout au long de cette semaine. Toi, viens et suis-moi. Toi, viens et suis-moi. Toi, mon frère, qui te sens tellement fragile, il te dit, viens et suis-moi. Car ta force ne repose pas en toi, mais en moi. Toi, ma sœur, qui a le sentiment qu'aujourd'hui, ta seule fonction sont tes enfants, la cuisine, les langes. Il te dit, ma fille, viens et suis-moi. Toi qui es tombé, toi qui as le sentiment que tu n'es plus digne, il t'appelle et te dit, viens et suis-moi. J'ai appelé un jour une Samaritaine comme cela. Les hommes la jugeaient, mais je l'ai appelée. J'ai appelé une femme que l'on voulait lapider. Je lui dis, je ne te juge pas, moi non plus. Toi viens et suis-moi. Toi qui es malade, toi qui es faible, toi qui es peut-être sans force ici ce matin. Il te dit, toi viens et suis-moi. Mon ami, devant ton écran, je ne sais pas dans quel contexte tu es. Mais il te dit, toi viens et suis-moi. Pourrais-je en toute simplicité, ce matin, poser la question, qui veut lui répondre ? Seigneur, après avoir entendu ce que j'ai entendu, je veux toujours encore renouveler mon engagement
en te suivant. Vous savez, dans notre famille, la plupart de mes enfants se sont mariés au mois de mai. Et régulièrement, en ce moment, nous entendons, mon épouse et moi-même, nous allons passer juste une nuit ailleurs, ou nous allons faire une journée ailleurs pour fêter notre anniversaire de mariage. C'est l'occasion de renouveler aussi nos voeux, de nous redire ce que nous nous sommes dit il y a des années. Je crois que dans la vie chrétienne, il y a des beaux moments comme ça où on peut renouveler son alliance. Dire, Seigneur, je voudrais aujourd'hui que ce soit comme un anniversaire. Je veux te redire, me voici prêt à te servir. Toi, viens et suis-moi. Que ceux qui désirent lui répondre se lèvent à leur place ce matin. Juste là où vous êtes. Levez-vous à cause de cet appel. Toi, viens et suis-moi. Pourriez-vous prier un instant? Pourrions-nous prier un instant pendant que mon frère au clavier simplement joue ce cantique « Me voici, prêt à te servir ». Pouvez-vous commencer à prier en disant « Seigneur, je renouvelle mon alliance ce matin. Je renouvelle mon engagement, j'ai compris. Seigneur, ce n'est pas la... mon but, ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas l'autorité. Mon but, c'est de suivre mon maître sur le chemin. » Je veux te bénir parce que tu m'as dit la vérité avant que je m'engage. Je veux te remercier parce que tu n'as pas essayé de m'attirer avec des bonbons pour que je te suive. Tu n'as pas essayé de m'attirer en me faisant finalement briller un tas de choses, un tas d'avantages. Tu ne m'as pas dit si tu viens, alors tu n'auras plus jamais de problème. Si tu viens, alors tu auras toujours assez d'argent. Si tu viens, alors tu seras toujours en bonne santé. Seigneur, tu ne m'as pas trompé. Tu m'as dit que le chemin était étroit et périlleux. Tu ne m'as rien caché. Tu m'as dit que tu n'étais pas un élitiste, qu'il y avait de la place pour tout le monde sur ce chemin-là. Et tu me dis en même temps qu'il y a un avenir glorieux et qu'un jour je serai dans ta gloire couronné. Mais en attendant sur ce chemin ici, je te dis oui, je veux te suivre. La voix du Seigneur t'appelle ce matin. Prends ta croix, dit ce vieux cantique, viens et suis-moi. Oui, je te veux, sauveur fidèle. Oh, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, mais également dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Peux-tu faire ce cantique, une prière? Est-ce qu'on pourrait l'afficher? Et pourriez-vous simplement le faire vôtre comme une prière. Jusqu'au bout, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. C'est la première strophe. Me voici, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je te veux, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux, c'est un chemin.
faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mon frère et ma sœur, il donne grâce et gloire. Bientôt nous serons près de lui. Joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Une dernière fois, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons. Chantez-le comme un engagement, comme une nouvelle déclaration au Seigneur, comme un acte d'amour. Disons-le encore une fois, comme un acte d'amour. Jusqu'au bout, je renouvelle mon alliance, je renouvelle ma consécration. Les mauvais jours, à toi pour. Faisons-lui une ovation, c'est lui seul qui nous tiendra debout.